En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. Ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. En ce temps-là, voilà comment... Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne. » Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Mais... Jésus s'inspire souvent des choses familières aux personnes qu'il rencontre, aux personnes qu'il écoute. Alors cette fois, même si pour nous c'est pas forcément une image familière, cette fois il utilise l'image du sarment et de la vigne. Et Jésus présente deux cas, tout simples. Le premier est négatif, le sarment est sec et il ne porte pas de fruits. Il est donc coupé et jeté. Le deuxième cas est positif, le sarment est encore vivant et bien vert et par conséquent on l'élague, on le taille. Voilà, ce... contraste entre un sarment sec et un sarment vivant nous dit que l'élagage, la taille, n'est pas un acte hostile envers le sarment. Le vigneron attend encore beaucoup de ce sarment. Il sait qu'il peut porter du fruit, il a donc confiance en lui. Mais pourquoi le vigneron élague-t-il le sarment? Et comme le disent ces vignerons, pourquoi alors fait-il pleurer la vigne? Pour une raison très simple. Il s'y n'est pas élagué, la force de la vigne se disperse. Il aura peut-être plus de grappes qu'il ne faut, mais le vigneron ne réussira pas à les faire mûrir. La plupart des arts consistent à mettre quelque chose. Un peintre mettra de la couleur sur la toile, un architecte mettra des pierres sur des pierres, un musicien mettra des notes sur des notes. La sculpture, elle, consiste à enlever les morceaux de marbre qui sont en trop pour faire ressortir la silhouette que l'on a en tête. Je crois que la véritable vie chrétienne, qui est un appel à la sainteté, s'obtient également de cette manière, en enlevant, en faisant tomber les morceaux inutiles, c'est-à-dire les désirs, les ambitions, les tendances charnelles qui peuvent nous disperser dans tous les sens, pas forcément d'emblée à un ange, mais en tout cas, Dieu veut que nous ressemblions à son fils. Vous savez que la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est de vivre du Christ et de devenir comme le Christ. Alors, comment Dieu agit? Michel-Ange a utilisé un burin. Ben Dieu, lui, il utilise la croix. Voilà. Il utilise la croix pour nous désencombrer. Vous savez, Dieu n'ajoute rien en général à ce qu'est la vie. La vie se présente avec des joies, mais la vie se présente avec des souffrances, parfois des fatigues, des épreuves. Mais Dieu fait en sorte seulement que ces choses servent à nous retrouver nous-mêmes en plénitude,
à nous accomplir. La Vierge Marie. Sainte-elle, 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 notre douleur. De la chapelle de Plonivel, Plobanalec. De ce pardon et à l'animation de ce pardon, que ce soit par les lectures, les chants, la sonorisation, la mise en place a été au départ un peu semée d'embûches. On a eu la surprise de ne pas pouvoir ouvrir le portail. Ensuite, on s'attendait à ce que la Marie ait mis en place des chaises et puis on s'est retrouvé sans chaise, donc il a fallu se rabattre sur la chapelle, sortir bancs et chaises de la chapelle. J'espère que ces bancs et ces chaises vous ont pas trop dérangé. Hein? Voilà, en tout cas, par contre, nous avons eu du soleil. Hein? Voilà, on peut pas tout Kentoni avarvo, kentoni avarvo, kentoni avarvo.